Salut tout le monde, c'est YoMax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui l'épisode 2 du Top 5 Goal. Et on va directement rentrer dans le vif du sujet avec la 5ème position. C'est by Deus et c'est un but qu'on va commenter ensemble les amis. Donc là c'est l'adversaire, il va faire un petit peu n'importe quoi. Il va perdre le ballon, il va passer le ballon avec son gardien. Le gardien qui dégage, ça part très loin, ça part très loin. Et là, regardez ce qui se passe et... bang. Oui, c'est un silence de mort. Faïz, faudrait que je t'explique un truc frérot. Des top 5 goals, c'est des buts qui sont censés être beaux. Pourquoi ce but est là? Bon, c'est Faïs qui fait les trucs. Bon les gars, c'était pour vous faire rire ce but. J'espère qu'il vous aura plu. C'est un but bizarre. On va passer directement à la 4ème position. On va commencer avec des vrais buts les amis. C'est parti. Bon, il n'y a rien à gagner pour la 5ème place les gars. Vous avez capté. On enchaîne les gars. Avec Briou. Briou qui est sur le côté gauche. Avec son ami Raphaël. Putain, c'est Raphaël contre Raphaël. Et là, il a centré avec Raphaël. Et c'est rentré dans la cage, merde. Un centre-but. Voilà ce qu'on appelle un centre-but. C'est parfait, Raphaël. On passe du coup à la 3ème position et cette fois-ci ça va être Briou qui va nous régaler avec son Muzonda qui a 5 étoiles geste technique, 5 étoiles mauvais pied, donc c'est un très bon joueur de Ligue, il n'y a pas cher. Et bah il dribble, hein, il skill, frérot je ne saurais même pas vous dire le nombre de skills qu'il a fait. Et bien sûr il termine avec un beau petit but, voilà c'est un skill run, c'était sympathique, il a violé un petit peu tout le monde. Et voilà c'était sympathique, on le félicite, bien joué Briou. Ok les gars, maintenant on va passer à la 2ème position et je peux vous garantir que ce but c'est du sale. Chao FC qui est sur le côté droit, il passe là-bas à la Matias Fernandez. Matias Fernandez qui va skiller les habits tout simplement, je sais, Waka Waka je crois que ça s'appelle ça, Super. Et finition au coup du foulard man. C'est pas celui de la semaine dernière celui-ci. Celui-ci il part en pleine lucarne frérot. 2ème position bien méritée frérot, GG à toi. Ok les gars, on passe maintenant au top 1. La première position, tu gagnes cette semaine frérot 50€ de Xbox ou de PSN. C'est toi qui me dis Xbox Live PSN. Comme tu veux frérot, on est en club pro, j'aime bien ce mode les gars, regardez-moi ça. Bang. Comment il a fait ça frérot? Comment il a fait ça? Mais comment il a fait ça? Et du coup les gars, bien sûr qu'il est premier parce qu'il termine avec un lob du prof. Oh c'est splendide. Franchement en club pro les gars, ce but je vous le remets avec le son des commentaires en live pendant qu'il joue en club pro les amis de ce club. Et bah écoutez c'est magnifique, il mérite bien sa première place à mon avis, dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez la famille. On s'approche du but. Oh frappe. Mais vous là que j'aurais frappé Balero. Oh le bâtard. Avec ce but c'est magnifique. Si je faut que je m'enregistre quoi. Il est magnifique. Et voilà c'est terminé pour ce top 5 goal numéro 2. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un j'aime la famille. Donc Faïz qui est celui qui choisit les buts, qui les classe, qui fait à peu près tout. Moi je fais juste le montage et le commentary dans cette série. Et ben il voulait vous passer quelques petits mots les gars. Faïz il m'a dit faut bien préciser aux gens qu'il faut upload la vidéo sur YouTube et qu'elle soit en HD et que ce soit seulement du FIFA 17. Il m'a précisé ça parce que la semaine dernière apparemment il y avait un clip FIFA 16 les gars. Tranquille les gars, il m'a dit c'est le début, on a le droit aux erreurs, c'est le début, mais vous inquiétez pas, plus ça va avancer dans les semaines, plus il y aura du lourd d'ailleurs dans les buts qu'on verra les gars. Je sais que la semaine dernière ça s'est un petit peu plein, mais tranquillou les gars, il n'y a pas de souci. Il m'a également demandé de vous dire que vous ne lui envoyez pas des compiles de 20 minutes avec des buts à trouver dedans les gars, parce que pour les énigmes, il joue déjà à World of Warcraft, donc c'est assez. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu une nouvelle fois, et on se retrouve pour la semaine prochaine pour un nouveau Top 5 Goal. Ciao la bifa.